Bon, eh bien, me voilà revenu sur le jeu avec un nouveau micro-casque qui devrait fortement, force, pop-up, qui devrait nettement améliorer le son de ma voix. Je pense que je vais pouvoir me permettre d'augmenter un petit peu le volume des effets sonores. On va voir ce que ça raconte, c'est vous qui me direz si c'est trop fort ou pas. Voilà, donc j'ai regroupé Flamiche, je l'ai déjà mis à un endroit idéal. Et je me trouve donc devant les ouvriers nains auxquels il me reste à parler. Nous rendrons leur gloire à ces grandes salles. Je vous remercie pour le déjeuner, mais je vais devoir le manger quand j'aurai terminé mon poste. Nous allons dégager ces décombres en un rien de temps. C'est bizarre, ma pioche me dit que les débris ne sont pas encore tassés. Je parierais un chargement de mithril que cet effondrement s'est produit récemment. Le temps est venu de chasser les orques de notre roi. Ah, un déjeuner tout prêt. Le seigneur Bossy arrive à faire en sorte que nous soyons bien nourris et reposés. Nous allons les payer en retour, lui et le seigneur Brogure, avec notre labeur, et en finir en un rien de temps avec ces décombres. Je me demande ce que nous allons trouver au-delà de cette porte. Pioche commence à manquer. Elle se casse trop facilement. Vous arrivez tout juste au bon moment, Spiritounoub. Nous utilisons vraiment beaucoup de pioches ici. Et si nous en cassons davantage, cela ralentira tout progrès pour dégager la porte de Housseï. Apportez ces pioches cassées au seigneur Bossy et dites-lui qu'il nous en faut d'autres. Et vite, si nous voulons continuer à avancer efficacement. Vous le trouverez près des berges du Cyranon, au sud de la route sinueuse qui se termine ici à la porte. Donc moi, je suis avec... Je peux pas effectuer d'invocation dans cette zone. Je me dis, je vais gagner du temps, je vais ramener Flamiche à la bonne place. Et non. Donc voilà, c'est pas grave, hein, je vais me retaper le chemin. C'est pas comme si je traversais tous les Régiadors, hein. Au niveau de l'immersion du casque, c'est le jour et la nuit. Ça va, j'ai pas encore ramassé trop de crasse, j'ai oublié d'en vendre avant de sortir. Nous avons déjà abîmé ou cassé énormément de pioches. Oh, je vois, ces pioches sont cassées. Ce qui veut dire qu'au moins... Je recommence. Oh, je vois, ces pioches sont cassées. Ce qui veut dire qu'à moins que nous nous en procurions d'autres à boire, tout le travail pour dégager la porte de Housseï sera suspendu. Il faut que nous fassions quelque chose, Spiritonoub, et vite. Nous allons avoir besoin de bois et de pierre pour réparer ces pioches. Nous n'avions
aucun moyen de savoir que la porte serait dans cet état, Spirito Noob, et nous n'avons pas pensé à prendre des pioches supplémentaires avec nous. Toujours est-il que cette région produit des arbres robustes dont les branches devraient nous permettre de fabriquer de solides manches de pioches. Nous affûterons les têtes de métal nous-mêmes et les fixerons à ces nouveaux manches. J'ai envoyé mon fils Bori ramasser des pierres sur lesquelles nous pourrons aiguiser notre tête de pioche, mais il doit encore m'en rapporter. Ramasser des branches au pied des arbres et aider mon fils à rassembler suffisamment de pierres à aiguiser, puis revenez me voir quand vous aurez terminé tous les deux. Bori se trouve probablement à l'escalier à l'est d'ici, en train de perdre son temps avec son ami Bruin. Ces deux-là préfèrent jacasser plutôt que travailler. Une fois encore, vous avez été d'une grande aide, Ona. Il est capital que nous disposions du bois nécessaire pour réparer nos pioches. Sinon, comment déblayer les crevasses qui bloquent la porte du Durin? Imaginez les aventures qui nous attendent à Casa-Dôme. Bonjour Spirito Noob. Mon père vous a envoyé pour vérifier que je m'acquittais de la tâche qu'il m'a confiée. Pour tout vous dire, ça ne se passe pas au mieux. J'étais censé rassembler des pierres appropriées à l'affûtage des pioches dont se servent les ouvriers pour dégager la porte de Housset. Et j'en ai bien trouvé deux, mais c'est alors que j'étais distrait. Mon ami Bruin et moi étions en train de discuter des trésors que nous pourrions découvrir dans la Moria. Vous voyez, j'ai perdu la notion du temps. Si vous voulez, je vais vous donner les deux pierres que j'ai déjà trouvées. Ramassez le reste pour moi et je ne l'oublierai pas. J'ai eu de la chance en cherchant le long du lit asséché du Cyrano, mais toutes les pierres ne sont pas suffisamment aiguisées là-bas.
Ces pierres nous seront très utiles. Merci de me les avoir apportées. Parfait. Ces pierres sont exactement telles que mon père les voulait. Elles vont sûrement affûter nos pioches comme des pointes acérées. Bruin et moi sommes vraiment impatients d'entrer dans la Moria à proprement parler. C'est là que nous attend la vraie gloire. Je ne veux pas dire que je regarde de haut le travail que tout le monde fait là-bas, mais la véritable aventure nous attend dans les profondeurs. Des dangers sans mesure, je n'en doute pas. Des trésors en quantité égale, de l'honneur et de la célébrité. Merci pour votre aide, Spirito. Nous allons commencer à réparer les pioches tout de suite. Merci encore une fois, Spirito. Tous les matériaux ont été rassemblés et maintenant vont commencer à fabriquer de nouvelles pioches sans attendre. Bori est un bon garçon. Il fera un nain talentueux. Bori est un gentil garçon et il va devenir un nain très bien. J'espère toutefois que sa propension à jacasser avec son cousin passera avec le temps. Mon cousin Brogur et moi n'étions guère différents à son âge. Cela va prendre un certain temps pour façonner les pioches à partir des matériaux que vous nous avez apportés. Pendant que mes nains y travaillent, je vous demande de prêter assistance à Brogur. Si vous voulez vraiment aider les nains, il n'y a pas un instant à perdre. Vous trouverez mon cousin au nord d'ici, quelque part le long de la route sinueuse qui monte à la porte de Housset. Il est bourru, même pour s'aligner, mais il accueillera chaleureusement votre aide. Je pense que je peux monter un petit peu les sons. Puisque ma voix avait l'air de bien mieux passer qu'avant, je pense que je peux me permettre de ça. La musique, je vais éviter parce que il risque encore de me peler les, hein, avec les droits d'auteur. Sont super agréables, Sénat. Comment dites-vous, Spiritonoub? Est-ce seulement un nom? Vous allez devoir travailler particulièrement dur pour compenser un tel handicap. Les loups qui rôdent là-bas sont frappés de démence. Quelque folie s'est emparée des loups de la région qui les a fait entrer dans une fureur aveugle. Ils sont beaucoup plus agressifs que d'habitude et je crains qu'ils n'attaquent notre expédition sous peu. Pouvez-vous entendre les hurlements sinistres dans le vent? J'ai envoyé mon fils Bruin défier ces monstres de l'ombre, mais il n'est pas encore revenu. Il est probablement en train de perdre son temps avec le fils de mon cousin à jacasser près de l'escalier qui se trouve là-bas. Retournez au lit asséché du Cyranon et grimpez sur la rive opposée. C'est de là que les terribles hurlements proviennent. De l'autre côté, au sud-ouest, il y a une grotte, Filgogan. Il se pourrait que vous trouviez une explication à la colère de ces créatures dans cette grotte. Je crains que vous devriez aider mon fils dans sa tâche, car il ne m'a pas encore touché mot de sa réussite. Quand vous aurez terminé, allez voir mon cousin Bozy.
rappelleront cela l'histoire glorieuse de Broin le Puissant. C'est vous le voyageur qui avait aidé Bori à ramasser ses pierres, hein? C'est bien ce que je pensais. J'ai une bonne mémoire des visages et je n'oublie jamais un nom, en particulier celui d'un aventurier. Évidemment, plus vous entreprendrez d'actions dangereuses, plus on se souviendra de vous, Spirito. C'est bien ce que j'espère faire, vous savez. Une fois que nous entrerons dans Khazad-dûm, Bori et moi allons devenir de grands héros et les récits de nos aventures seront comptés partout dans le pays. Dans quelques années, les jeunes nains pourraient être inspirés par l'histoire glorieuse de Broin le Puissant. Tout comme nous l'avons été, Bori et moi, par les chansons de Durin et de Thorin et Cudechane. Cependant, si vous vouliez m'aider dans la tâche qui m'a confiée mon père, je ne refuserai pas. Il y a des wargs, des ombres au sud, de l'autre côté du lit asséché du Cyrano. Terrassez-en quelques-uns pour moi, si vous le voulez bien. J'en ai déjà tué mais ce n'est vraiment pas suffisant. Que la chance vous accompagne, mon ami. Donc il a dit, ça c'est le fleuve Cyrano. Il a dit de passer de l'autre côté de la rive. Et on va voir comme ça les terribles wargs. Bon, pas de bonne idée de faire ça. En cliff de War fissuré, c'est pour qui ça? Champion ministre des Béronides, ben, ça tombe bien. Je ne vais pas les vendre, je vais en avoir besoin pour mes quêtes de classe. Voilà, les agros, j'ai pas envie de perdre mon temps à taper ce qui n'est pas forcément nécessaire. Suis-je donc né pour de grands exploits comme vous? Vous voilà de retour, Spirito Noob, et victorieux des wargs des ombres! Vous êtes vraiment un aventurier hors du commun. Pour vous dire la vérité, mon propre combat contre cette wargue des ombres n'aurait pas mérité qu'on en fasse une chanson. Mes seules préoccupations étaient de survivre. Ma seule préoccupation. Je pense que je ne suis pas vraiment un héros. Suis-je vraiment voué à faire de grandes choses? Y aura-t-il jamais une chanson écrite sur moi ou bien mon nom sera-t-il oublié? Vous êtes trop aimable, Spirito Noob. J'espère avoir bien la chance de prouver ma valeur comme vous venez de le faire.
Alors, toutes ces quêtes qui se trouvent dans ces instances ici, vous êtes obligé de les faire avant. Vous devez être obligé de faire toutes ces quêtes-ci avant de faire la dernière qui sort de là. Où vous allez recevoir votre âme légendaire, parce que forcément, c'est une zone qui est instanciée et dans laquelle vous ne pouvez plus venir. Hein, donc, vous ne pouvez pas vous faire PL par quelqu'un. Ça, c'est mort. Donc, je dois redescendre vers là-bas. Et là, j'ai un corps de warg. Un corps de bête, du moins. Ah, à découvrir plus bas. Je me suis trompé de place. Ah, misère, je suis descendu trop vite. Ah ouais, c'est près de l'entrée de la grotte en plus. Ok, on va y arriver, hein. Je vous fais faire une petite visite guidée du mur de la Moria. Alors, ces quêtes, je la fais au niveau 45 parce que je pense pas qu'on puisse la prendre avant. Vous allez dire, ouais, mais il est à deux persos, il est déjà niveau 46. Honnêtement, ça passe à l'aise. Enfin, ça passe à l'aise. Faut pas faire les cons et prendre un agro de porc. Mais moi, je l'ai fait, je pense, avec toutes les classes en solo et c'est passé sans problème. J'ai peut-être ripé une ou deux fois, mais ça, bon. Comme dirait l'autre, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Hein. Je doute que le seigneur Baline soit encore en vie. Soyez prudents, cette grotte abrite un grand campement de semi-orques. Ils ne sont pas là depuis longtemps, mais je suis sûr qu'ils rassemblent leurs forces dans un but sinistre, et j'ai bien peur qu'ils n'attaquent mes frères lorsqu'ils seront prêts. Il ne faut pas que cela se produise. Pour que la garnison de fer survive, nous devons nous assurer que les semi-orques sont incapables de monter une attaque efficace. Cherchez les feux de camp des semi-orques à l'intérieur de la grotte de Filgogan et recueillez des informations à chacun d'eux. Si vous pouviez récupérer n'importe quel ordre, carte, rapport ou lettre, nous réussirions sûrement à laisser ces semi-orques trop désorganisés pour menacer l'expédition. Quelqu'un a envoyé ses semi-orques en Oussei, Spiritonoub. Il me paraît évident que Krogh, le chef, qui a ordonné au camp de s'installer dans la grotte de Filgogan, a son propre maître. Je veux savoir de qui il pourrait bien s'agir. Je vous récompenserai généreusement pour toute preuve de l'existence de ce surveillant. Entrez dans la grotte, combattez les semi-orques et rapportez-moi le point commun qui lie ces semi-orques au mystérieux maître de Krogh. Thank you.
On va quand même pas être radin, hein. Cela suffira-t-il de chasser les orques de Khazad-dûm ? Baissez-vous, Spiritonoub. Jusqu'à présent, j'ai réussi à ne pas me faire repérer par les semi-orques, mais ils campent partout dans la grotte de Fil'Gogan, et je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir rester inaperçu. Je suis à la recherche de mon ami Locfric, qui a disparu dans les environs de la grotte de Fil'Gogan peu de temps après que l'expédition est arrivée en Ousseil. Je crains qu'il n'ait été tué par les semi-orques. Mais il faut que je m'en assure. Les semi-orques érigent de sinistres tas avec les os de leurs victimes. On peut les voir à divers endroits dans la grotte de Fil'Gogan. Locfric avec une dent caractéristique en or. Ce n'est pas une tâche des plus agréables, mais je vous récompenserai bien si vous cherchez dans cet tas d'os sa dent. Et me la ramenez. Si vous la trouvez, bien entendu. J'espère bien que vous ne trouverez rien, mais si c'est le cas, au moins, je connaîtrai le sort de Locfric. Oh là, ne nous trompons pas, on est arrivé par là, on a pris la lettre là, on continue, on fait demi-tour comme on est là. Ok, donc c'est bien par là. Ici, je vais prendre la première à droite.
faut que je fasse une petite pause. Oui. Viens ici. Se faire déranger en plein milieu des mines, c'est pas ce qui est le plus agréable. Bon, c'est surtout pas l'endroit où il vaut mieux s'arrêter pour prendre une tasse de café. Donc là, si vous voulez le faire à l'économie, il y a moyen normalement, faut passer là. Un envahisseur semi-orc qui ne tire pas à distance, c'est les éclaireurs qui tirent à distance. Faut que je fasse gaffe quand même parce qu'il y aura encore bien la patrouille qui arriverait par l'arrière. Je vais balancer un petit coup de soin quand même. Et là, j'allais dire, je fonce direct sur le blaireau en face. Peut-être éviter de foncer direct. Je viens de prendre une petite popo dans les autres popos à la con que je devais de toute façon flinguer. Et là, on va aller fouiller en paix. Voilà, je voulais que le capitaine se prenne une tôlée. En plus, c'est lui qui se fait stun, c'est pas grave. Au moins pendant ce temps-là. Et là, malheureusement, dans le tas de crânes, vous trouvez une dent abîmée en or parmi les os. Donc là, c'est clair, son ami Lin est mort. Voilà. Ici, on prend le chemin de droite. Je vais faire peur de rien, ça m'enlève la maladie qui m'avait mis. Là, je pense qu'il y en a sur les hauteurs, non, c'était pas dit. Alors, je fais pas gaffe, hein, mais ici, normalement, je devrais pouvoir trouver des pages aussi.
trouve que mon champion devient quand même de plus en plus balèze au niveau des dégâts, parce que là, faut pas oublier que c'est des mobs qui ont 3 levels de plus que lui. Maintenant, je pense que le fait qu'il soit pas carapassonné au niveau de l'armure, ça y fait beaucoup. Vous voyez que c'est indiqué tout ce qu'on peut trouver dessus. Bon, je suis pas là pour commencer à faire les traits et d'autres choses. Hein. Je vais essayer de serrer à droite. Ah. On dirait que je l'ai évité. Carte de où c'est? Ok, donc je fais juste une petite vérification là et je regarde au niveau. J'ai tout qui est validé chez les deux, donc c'est bon, je peux ressortir. Là, je ressors. Je crois que c'est par ici. Non. Le boulet, je suis arrivé par là, ça doit être par là normalement. Par là, je vais joindre et puis là, je prends à droite. Ouais, il commence à mettre des gros critiques, hein. Je ne suis pas sûr que Casatome puisse un jour être rebâti. Les orques ont dû la détruire. Oh, c'est un peu long. Ouais. J'espérais que vous ne trouverez rien, Spiritonoob, mais au moins maintenant, je sais que l'Ofric est mort. Et je vais pouvoir porter le deuil. Je vais incruster sa dent dans le manche de ma hache. Ainsi, il m'aidera à vaincre de nombreux ennemis encore. Nous nous vengerons ensemble, lui et moi. L'Ofric, tu ne verras jamais briller les royaumes de Khazad-dûm comme autrefois et cela me peine. Mais je te vengerai par la mort des semi-orques qui ont envahi ces terres où nos pères ont autrefois creusé la pierre pour construire toutes ces splendeurs. Que l'on se souvienne longtemps de toi sous terre. Donc il me reste ce 3 bouquins, il en a, il me reste une page et j'ai encore 5 pages à récupérer en fait. Et c'est pas encore sur ceci. Dit que le fléau de Durin hante cet endroit, mais nous ne l'avons pas vu. Ce document que vous m'avez apporté dépeint un dessin inquiétant, Spiritonoob. Quelqu'un a dessiné des flèches avec quelque chose qui ressemble à du sang, traçant une route jusqu'à la trouée des trolls en Nousseil.
Ces ordres sont difficiles à lire. Mais il semble ordonner aux semi-orques de chercher les semi-hommes. Est-ce qu'il pourrait s'agir de hobbits de la comté? Dans là où c'est? J'avoue que la signification de cette énigme m'échappe. Les semi-orques ne sont peut-être pas là pour arrêter l'expédition, mais ils menacent quand même le travail des nains. Il faut espérer que nos efforts les ont désorganisés et rendus incapables de préparer une attaque efficace contre mon peuple. Sans la perspective de trouver du mithril, je ne serais jamais venu ici. Vous dites que ces semi-orques portaient ces pierres sur chacune desquelles était peint ce symbole de main? Ce n'est pas la marque de Krogh. Alors ça doit être certainement l'emblème de son maître. Je ne le reconnais pas. Je vais montrer cette marque à Bossy quand je retournerai au camp. Peut-être qu'il comprendra sa signification. Merci de votre aide, Spiritonoub, et prenez cet argent en témoignage de ma gratitude. Je ne suis pas sûr que Khazad Dûm puisse un jour être rebâti. Les orques ont dû la détruire. Ouais, là, je vais devoir dégrouper. Pour faire la suite. Je vous remercie chaleureusement. Spiritonoob. Les semi-orques ne sont pas les bienvenus, on le sait. Près de Khazad Dûm, mais désormais Krogh le sait. Ça ne va pas lui servir grand-chose maintenant, hein? Vous êtes quelqu'un de bien, Spiritonoub, et je suis bien content de vous avoir à nos côtés. Puissiez-vous montrer aussi utile de l'autre côté des portes quand nous aurons pénétré dans les mines de la Moria? Je ne sais quelle créature terrible nous trouverons dans la Moria. Vous nous avez été d'une grande aide, Spiritonoub, sur bien des plans. Vous nous avez aidé à explorer les grottes des mondes des Mortes-Eaux et de Fil'Gogan pour retrouver nos amis et le trésor caché, et vous vous êtes battu vaillamment. Il est toutefois fort possible que les salles et les cavernes de Khazad Dûm abritent un danger encore plus grand, et je voudrais m'assurer que vous savez ce qui vous attend. Avant que vous franchissiez la porte de Durin, retournez voir Ratwald, il est de garde près du camp des Chats du Nan. Là où la route passe sous la vieille arche des elfes. Demandez-lui de vous raconter l'histoire de la chute de la Moria. C'est une bien sombre histoire, mais il faut que vous la connaissiez. C'est l'eau peur du feu. Quelqu'un ou quelque chose en est à l'origine. Vous dites avoir trouvé le corps brûlé d'un loup de l'autre côté? Du Cyrannon,
Je n'ai pas la réponse à ce mystère, Spiritonoob. Pendant que vous prêtiez assistance, à mon cousin, les nouvelles pioches ont été terminées. Leur qualité est excellente et elles vont certainement être très utiles à la porte de Hosei. L'heure est venue, l'ami. Khazad-dûm nous attend. Je suis en train de regarder ce que je vais pouvoir prendre comme petit colis. Je viens de perdre la quête en fait avec l'autre perso parce que je peux pas échouer en fait. Mais bon. Faites-moi savoir quand vous serez prêt, Spiritonoob. Nous irons ensemble à la porte du Turin avec ces pioches nouvellement réparées. Nos nains auront bientôt dégagé la voie conduisant à la Moria. Bon, je regarderai ce que je prends comme cadeau à la sortie. Je vais la faire en vitesse avec ce perso-ci. Et puis, Cela fait bien longtemps que le peuple de Durin désire reprendre la Moria qui lui appartient de droit aux orques et aux gobelins qui se sont appropriés les lieux. L'heure est-elle enfin venue? Même moi, je ne le sais. Nous allons nous arrêter un moment à cet avant-poste, avant de continuer jusqu'à la porte Spiritonoob. Quand nous serons dans la mine, il nous faudra établir un camp et je vais m'assurer que tout est prêt. Vous avez toujours les pioches, non? Bien sûr, suivez-moi. Bon, j'ai mis là et je vais mettre... Ouais, je suis en train de me battre en même temps de l'autre côté, donc j'attends quand même que cette phase-ci soit finie. J'en ai pas pour longtemps. Je vais tâcher de pas riper parce que j'ai perdu Bossy en fait sur le boss qui va arriver. Et je l'ai perdu parce que je peux pas le soigner en fait. Saloperine.
Super, j'ai réussi à passer cette partie-là. Bon, je n'aime pas ça, Spirit Noob. Quelque chose ne va pas, l'air est bien trop calme. Beaucoup plus facile avec une classe qui va prendre l'aggro directement. On va quand même assurer le coup là parce que il picotait les garçons. Je suis en train de regarder l'autre côté en même temps, c'était pas une bonne idée ça. Mais bon. C'est là qu'on se prend une petite bouffe. Hein. Donc je reviens près du lac Noir. Très bien, ces pioches ont l'air d'être fonctionnelles. Elles vont bien nous servir pour déblayer les derniers décombres. Vous pouvez les laisser dans la caisse juste à côté du seigneur Brogur qui se trouve au sud par rapport à nous. Ces pioches vont bien nous aider. Spirito, même si vous avez pris votre temps pour nous les apporter, nous aurions déjà presque fini de déblayer les décombres. Ne vous inquiétez pas pour ça, ce qui est fait est fait. Ce lac m'inquiète bien plus. Il y a quelque chose à son propos que je n'aime pas. Ça me met mal à l'aise. Certains de mes nains jettent des pierres dans les eaux et j'apprécierais si vous pouviez leur dire d'arrêter, ça me rend nerveux.
Très bien, Spiritonoub. J'apprécie votre aide. Si je comprends bien, beaucoup de ménins se remuent. Sont remuants. Mais il y a quelque chose à propos de cela que je n'aime pas. Je serai soulagé quand les ouvriers auront fini de dégager la porte de ces décombres et que nous pourrons quitter cette rive. On ne peut plus désagréable. Vous nous avez bien aidés ici, on nous sait. Spiritonoub, je sais que cela sera une vraie aubaine de vous avoir à nos côtés. Une fois que nous serons véritablement dans Kazakhdoum. Par conséquent, je serais très honoré si vous preniez une pioche pour nous aider à déblayer les décombres qui obstruent la porte de Durin. C'est une chance historique, l'ami. Et c'est un plaisir pour moi de vous l'offrir, en échange de nombreux services que vous avez déjà rendus. Spirito, vous dites avoir vu quelque chose bouger dans l'eau? Qu'est-ce que c'était? Je ne vois rien. Vous êtes sûr que ce n'est pas votre imagination? Bruin s'est fait choper par le poulpe. Et là, on m'envoie vite à l'avant-poste. C'est là que je vais prendre des dégâts. Donc, c'est ça que vous mangez un petit coup avant. Ça va le faire pendant. Ça va régénérer un petit coup. Et au pire, vous prenez une popo. De toute façon, quand vous arrivez au bout du chemin là. C'est fini, vous allez être tranquille.
Avez-vous comment la peau de cette créature dévie nos coups, Spiritonoub? Nous avons besoin d'armes extraordinaires si nous voulons nous mesurer au guetteur du lac noir. Il a patienté dans les profondeurs alors que nous nous efforcions d'ouvrir la porte et nous a frappés lorsque nous étions les plus vulnérables. Maudite soit cette ignoble créature pour avoir pris la vie de Broin et de bien d'autres braves nains. Ils seront vengés, mais pour l'instant, il faut nous replier. Nous n'avons aucune chance de franchir les portes tant que cette abomination rôdera devant. Nous devons nous replier avec les survivants. Nous reviendrons nous venger du guetteur du lac noir. Comment pouvons-nous espérer vaincre ce monstre? C'est la débâcle, Spiritonoub. Nos maigres armes ne font pas le poids contre la bête du lac. Si seulement nous avions une relique du temps jadis, nous aurions une chance contre la créature. Les armes de nos pères étaient plus puissantes et plus affûtées, mais leur savoir est aujourd'hui tombé dans l'oubli, et les forgerons actuels sont moins doués. Une cache d'armes a été découverte dans l'une des grottes près d'ici, peu de temps après notre arrivée. Peut-être que l'une d'elles recèle une arme qui permettra de mettre un terme à la menace qui représente ce monstre. Nous allons reconquérir les grandes salles de Khazad-dûm. Nous n'oserons pas approcher de notre ancien camp tant que nous n'aurons pas trouvé un moyen de vaincre la créature du lac noir. Spirito, je ne peux pas vous laisser passer. De nombreux nains de notre expédition se reposent à Echad-Dûnad à l'ouest. Allez-y voir Undi, il a joué un rôle clé dans la découverte de la cache d'armes dont je vous ai parlé. Toi la raison, mon ami. Sans une arme d'exception forgée au temps jadis, nous n'avons aucun espoir, ne serait-ce que de blesser cette créature millénaire. Mais il arrive parfois que l'on retrouve des reliques du passé au moment où l'on s'y attend le moins. Mes amis et moi, nous avons mis au jour une ancienne cache d'armes peu de temps après l'arrivée de la garnison de fer. Sélectionnez-en une et peut-être que cela nous aidera-t-il à vaincre cette terrible créature qui nous empêche d'entrer dans la Moria. Prenez également ces montures, car je connais quelqu'un qui pourra vous aider à comprendre leur usage. Donc moi, sans équivoque, je vais prendre une épée de champion. Me tendrez-vous l'oreille? Les armes de cette qualité ont souvent une longue et riche histoire, Spirito. Leur légende grandit toujours avec elles. Plus vous terrasserez de créatures malfaisantes avec, plus elle deviendra meurtrière. Peu de gens sont capables de déchiffrer la légende d'une arme à partir de sa marque de fabrication. Je vais parler de vous à quelqu'un qui peut vous aider. L'elfe d'Italion qui se trouve près des forges de Faucombe. Il est sage et érudit dans beaucoup des domaines et notamment dans celui des armes anciennes. Si d'Italion peut vous aider, excusez-moi, si d'Italion ne peut pas vous aider, il vous indiquera certainement quelqu'un qui sera susceptible d'interpréter le lignage et de discerner la puissance d'une arme de cette qualité. Je regarde juste un dégât. Je vais voir quel type de dégâts il faut pour Sarnur. Tirer du Beleriand. On va prendre Beleriand. Légendaire, Wistroness, Beleriand. On verra si on s'est trompé ou pas.
Bon, la suite. On va parler à un elfe à faucombe. Donc. Voilà, je viens d'envoyer notre ami Flamiche à Foncombe. Il a fait son TP au Sgrout, hein, qui paye un peu ce blaireau, il paye jamais de repas de toute façon. Donc la chute de la Moria, je vais la désactiver. De toute façon, c'est une quête que je peux reprendre par la suite sans que cela prête à conséquence. Hein. Je suis un peu ennuyé pour Flamie, j'aurais bien aimé lui prendre une épée à deux mains, mais j'ai pas eu le choix. J'étais obligé de lui prendre une hallebarde. Pourquoi l'épée à deux mains? Parce que tout simplement, c'est un des traits des hommes. Hein. Quand on l'a, je suis même pas certain que je l'ai ici. Ouais, non, je dois l'avoir. Voilà. Bonus de dégâts à l'épée propre aux hommes. Donc vous avez 5% de dégâts à une main en plus. Ou 5% d'épée à deux mains. Donc je trouve que c'est pas négligeable. Voilà, il est près d'Italion. Je termine ça et puis j'irai manger. Ouais, voilà, je suis seulement TP. Voilà, je suis près d'Italien. Mon âme est bien triste en ce jour. Vous venez de loin, Spirito Nobile. Quelles affaires pourraient bien amener quelqu'un de votre valeur aux forges de Faucombe? L'Italien examine l'arme et se fige. Les yeux grandis par l'étonnement. C'est une relique du temps jadis, mon ami. Malheureusement, je ne crains de ne pouvoir identifier pour vous ni son lignage ni sa puissance, mais mon ami Snar, le maître des forges qui se trouve ici, devrait pouvoir le faire. Montrez-lui l'arme et il vous donnera une estimation de sa puissance et de son potentiel. Content de vous voir. Donc j'ai quoi? Multiplicateur de dégâts critiques. Dégâts des attaques brutales. Et des comptes compétences attaque brutale, c'est celui-là. Je l'utilise pas souvent. Donc, je dois maintenant m'équiper de ma nouvelle arme. Donc là, je vais placer la deuxième directement dans le deuxième emplacement. Hop, c'est pas une épée, mais tant pis. On verra ce qu'on fait après. Une ombre plane sur mon esprit. On vous a donné des reliques à ce que je vois. Appliquez-en une sur votre arme pour personnaliser ses capacités, puis revenez me voir une fois que ce sera fait. Donc, Shifty, c'est le raccourci pour y aller, et donc forcément, je vais mettre de la force, j'aurais pu mettre du moral. Vous aurez des gemmes, des runes, et puis des fabriquer aussi plus tard. Les lamentations de Riel Dar sont infinies. Excellent choix, Spirito Noob. Loger une relique adaptée à la situation à la situation dans votre arme fera peut-être la différence entre la victoire et la défaite. Cela s'est déjà produit. Cette arme n'est pas encore suffisamment puissante pour vous permettre de vaincre le guetteur de l'eau, mon ami. Mais cela viendra. Je vais vous expliquer ce qu'il faut faire. Donc j'ai dit que je prenais du nain d'antan. Hein. Tendrez-vous une oreille amicale? De telles armes s'améliorent à force d'être utilisées, Spirito Noob.
Elles n'atteignent vraiment leur plein potentiel que quand elles sont brandies au combat. Utilisez l'arme contre des ennemis dignes d'intérêt et elle s'améliorera, à l'instar de vos propres compétences. Quand elle aura fait ses preuves, apportez-la moi ou apportez-la à Wafi au palais de Thorin dans les Redluines pour savoir ce qu'il convient de faire ensuite. Donc, je vais directement appliquer le pare-chaud. Hop. Je n'ai qu'une arme, voilà. Et donc, il va me faire des dégâts de... d'un denton en plus. Je pourrais, si je veux, ici, appliquer une rune en plus, hein, qui va donner de la régénération, du blocage, notion de morale au combat et valeur de parade. Bah, c'est la première arme, je ne mets jamais rien dessus, de toute façon. Si je regarde. Ah. Mais non, pas le magasin SDAO. Si je regarde, décider de vouloir me jouer. Hein. Si je regarde ici l'arme que j'ai par rapport à ce que j'avais, eh bien, j'ai du 35-7 et du 37-1. Ok. Mais elle va vite monter, donc je pourrais augmenter sa capacité à faire du DPS. Bon, ben voilà. C'était le livre 2. Le volume 2, livre 1, je termine la vidéo ici et je vous dis à plus tard.